Allez. Oh, encore se foutre de leur gueule à ces cons-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme conneries encore là? Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu comme conneries? Là, ils ont sorti un trailer. On va voir ça, tiens. C'est pas possible! C'est quoi ce trailer? C'est quoi cette dinguerie? Mais le trailer, il est incroyable! Mais le trailer, il est incroyable! Mais c'est pas possible! Mais attendez, parce qu'apparemment, il y a une autre dinguerie. Les menus ont changé de... Ah, mais... Attendez, les gars. Parce qu'il y a une vidéo cachée sur leur compte YouTube. Une vidéo privée. Et j'ai réussi à la débloquer. Je sais pas ce que c'est. On va voir. Attendez, je clique. Bonjour, chers fans, et bienvenue dans la saison 2 d'eFootball 2022. J'ai décidé de corriger un élément qui a été beaucoup demandé par la communauté. Pour cela, j'ai débloqué un énorme budget pour cette saison 2. Car oui, je vous ai entendu, chers fans. Et donc, nous avons décidé de mettre tout ce budget dans la correction des menus. Nous avons embauché le plus grand artiste international contemporain, Monsieur Golden Touch. Vous savez, l'art pour moi est avant tout une aventure. Alors quand Konami m'a contacté pour participer à cette œuvre, j'ai accepté tout de suite. L'argent n'était pas un problème. Je suis surtout connu grâce à ma première œuvre qui s'appelle Petit chat noir sur un petit muret, un soir d'été dans l'Ohio, Connecticut, avec l'amour et l'argent avant tout. J'ai travaillé pendant plus de 3 mois sur cette œuvre et croyez-moi, c'est sorti vraiment de mon cœur. Pour moi, les fans sont vraiment très, très, très importants. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai créé cette œuvre. Grosse concentration. Illumination. Action. Après avoir autant travaillé, désolé, j'ai vraiment besoin de repos. Alors attendez, 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 parce que là, il y a dinguerie, les gars. Il y a dinguerie, on est dans le multiverse. Il y a un monde où Konami fait les choses bien. Attends, parce que là, trailer de ouf, on va pas se mentir, et on nous annonce de nouveaux menus. Donc moi, j'ai hâte de voir ça, les gars. Lançons le jeu, découvrons ça ensemble, parce qu'à mon avis, ça va être dinguerie. Obligé, ça va être dinguerie. Non mais c'est... Attends chérie, je tourne une... Ah, j'ai reçu un truc, merci. Qu'est-ce que c'est? La mise à jour, elle est vraiment géniale, les gars. Vraiment excellente. Acheter plein de packs. Et très bien. Je rigole, bien sûr, ouais. Konami, ils vont envoyer ça, une belle boîte, avec dedans un maillot et... Un code de 12 000 pièces que je vais vous faire gagner sur Twitter. Mais vous inquiétez pas, les gars. Ça va pas m'empêcher d'être sévère. Alors, par où commencer? Déjà, première chose, les menus. Alors, c'est mieux. Voilà, faut dire ce qui est. C'est quand même mieux. Mais c'est quand même de la merde. Bah oui, les gars, quand même. Réduire la luminosité.
ce que je vous ai fait dans le sketch, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire quand même, c'est le truc le plus feignant que j'ai jamais vu de ma vie, tu vois. Ils n'ont même pas switché de couleur, tu vois. Parce qu'à mon avis, les boîtes, elles étaient déjà faites. Et les maillots pyjama, ils étaient déjà faits avec le jaune et le bleu. Donc, ils se sont dit, on ne peut pas changer les couleurs. On va réduire la luminosité. Donc, oui, c'est mieux, mais c'est quand même de la merde. Deuxième chose, qu'est-ce que l'on attendait de cette saison 2 ? Bah, une correction du gameplay. Alors, je n'ai pas encore testé le jeu. On le testera en live dès ce soir. Mais apparemment, spoiler, il n'y a aucun changement au niveau du gameplay. Troisième chose que l'on attendait beaucoup, du contenu. Hélas, spoiler, il n'y a aucun contenu supplémentaire. Ah si, pardon, ils ont mis des objectifs premium. Vous avez vu ce que c'est les objectifs premium ? Alors en fait, les objectifs premium, c'est que tu payes pour avoir un joueur, mais en plus, tu as des objectifs pour débloquer d'autres trucs. Donc en gros, c'est comme des packs, mais avec des objectifs dedans. C'est-à-dire que c'est juste des packs en fait. Ils veulent juste nous faire dépenser de l'argent pour des packs et avec des petits objectifs dedans. Ça n'a rien de premium. Le Season Pass, je sais pas où il est, je l'ai pas vu. Alors si c'est ça leur Season Pass, on est bien loin de la petite frise qu'ils nous avaient montré. Par contre, ah ça, par contre, ils ont bossé sur des trucs, les packs. Parce que là, des packs, les gars, il y en a des dizaines. Franchement, pack Monaco, pack Galatasaray, pack Messi, pack Neymar, on le savait. Pack Légende, pack European Champions League, pack Ligue des Champions, pack Mayburne. Non mais c'est un délire. En fait, j'ai l'impression que ce jeu, c'est vraiment devenu un gacha. C'est-à-dire que c'est un jeu où juste tu vas acheter des cartes, tu vas collectionner des cartes. Je ne sais pas quoi dire, les copains. Dites-moi, hein, peut-être que vous avez trouvé des améliorations dans le gameplay. J'espère vraiment. Encore une fois, je vous le dis, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est très exactement 14h59. Dans une heure, je retourne faire ma tournée du soir. Donc, j'ai pas le temps d'y jouer. On testera ce soir en live, mais de ce qu'on m'a dit, il n'y a pas de changement au niveau du gameplay. Ça va être long, la saison 2, on va pas se mentir. Ça va peut-être même être toutes les saisons qui vont être longues. Je pense que Konami, alors ils nous ont peut-être un petit peu écouté sur les menus, mais c'était quand même pas le truc le plus important à corriger. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. En tout cas, moi, je suis quand même déçu. Je vais quand même y jouer, mais pas beaucoup, tu vois. Pas plus que ce que je jouais maintenant. Voilà, les gars, c'était Luthor. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et du coup, bah, rendez-vous sur Twitter pour quand même gagner 12 000 pièces. Parce que, comme vous l'avez vu, il y a de quoi les dépenser. Allez, ciao, les gars, et bonne journée. Drifting through the tapping to the last laugh, so close that I can grab it pretty. Days all around me, but all I see the bash. Think I need some glasses. Think I need some contacts. Think I need a better view. Think I need some glasses.